dit que la conférence d'aujourd'hui traiterait de sujets sur lesquels je travaille déjà depuis quelques années. Maintenant, en tant qu'architecte, mais aussi en tant que chercheur et universitaire, on parle donc des enveloppes. Le travail que je vais vous montrer a été fait sous le label FOA, qui maintenant va se diviser en différentes unités et agences d'architecture. Néanmoins, je vous proposerai quelques pistes de réflexion au sujet des enveloppes qui ont été initiées par FOA. Et puis ensuite, je vous montrerai quelques exemples qui serviront d'illustration à ces réflexions, mais aussi d'illustration ou de réflexion sur mon travail. Alors, les bâtiments ne sont pas toujours le meilleur exemple et n'illustrent pas non plus au mieux la théorie qui précède, car cela est souvent impossible. Les réalisations sont souvent faites en même temps que le développement de la réflexion et de la théorie. Quelquefois, il n'y a pas nécessairement convergence entre les deux. D'autres situations viennent influencer un projet en cours, ce qui fait que le résultat n'est pas toujours un parfait exemple de ce que la théorie était censée être. Les projets devraient souvent être pris comme plutôt pas seulement une question sur l'enveloppe, mais plutôt une base de réflexion sur les projets ou les objectifs de ces projets. Alors, je vais donc démarrer maintenant vraiment avec ma présentation. Il y a une certaine idée derrière le discours de l'enveloppe. Ces questions me sont venues en essayant de m'identifier au sein de ce grand domaine qu'est l'architecture. Bien sûr, une certaine forme aussi d'agence, on va dire, politique, mais la réflexion politique a été abandonnée il y a quelque temps, en particulier, les architectes de ma génération se sont un peu éloignés, on va dire, de l'engagement politique. Il s'agissait simplement, finalement, de construire des bâtiments. Et puis, en faisant des bâtiments, on se rend compte que on ne peut pas totalement s'éloigner de cette prise de conscience politique. Il faut déployer, finalement, un certain degré d'engagement politique. Donc, cela s'intègre dans le questionnement plus holistique. Quelle est la signification politique de certains projets, de certaines réalisations des bâtiments? Et je dois dire que le reflet, l'engagement politique n'est plus tout à fait ce qu'il était il y a longtemps, où on disait tel architecte est plutôt de gauche, d'autre est plutôt de droite. Ce n'est plus, c'est intéressant à observer, mais il est maintenant intéressant d'observer plutôt de voir de quelle manière cela se reflète dans le travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, ne pas créer de centres commerciaux, mais plutôt s'engager dans la voie du bâtiment et de l'habitat social, ne pas faire de bureaux pour ne pas favoriser une certaine idée du capitalisme, sans doute. Moi, je trouve cela plutôt naïf. Moi, j'essaye plutôt de prendre les choses sous un autre aspect et de considérer cela sous un autre angle de vue. L'engagement politique est plutôt intrinsèque à l'architecture et il faut faire avec. Alors, j'ai fait pas mal de recherches finalement sur ces personnalités qui ont façonné d'un point de vue politique notre siècle et les constructions en général. Évidemment, il s'agissait de refléter pour ces personnes la qualité, de transmettre l'idée de la qualité. Et j'ai comparé avec des personnes qui ont eu vraiment
un effet sur, cette fois-ci, qui ont marqué la politique, donc le sens inverse. Plutôt des personnes qui ont eu une influence sur l'architecture et des architectes qui peut-être ont formaté un peu l'endroit, en tout cas, dans lequel moi j'ai grandi, la ville dans laquelle j'ai grandi, et qui, plutôt que de mettre en avant le concept de l'égalité, se sont retrouvés dans ce que l'on pourrait appeler la réalisation bon marché. Alors ces gens n'avaient pas de rôle, hein. C'était des gens qui étaient essentiellement des industriels, des banquiers ou d'autres personnes, on va dire. Mais qui disaient non, nous on ne fait pas de politique, on ne fait pas de politique du tout. Alors qu'en fait, c'était les politiciens sans doute les plus efficaces que l'on ait jamais vus au cours des 10 dernières années, pour sûr. Mais bon, je n'ai pas trop envie de rester trop longtemps sur ce sujet, mais enfin, voilà une manière d'intégrer la politique dans la pratique architecturale, et pas seulement. Ici, vous voyez des gens que vous connaissez, hein, des gens qui produisent des vêtements pas chers, ou du matériel informatique, ou de la nourriture pas chère. Pour moi, ça avait une signification politique, même si ce n'était pas des hommes politiques ou des personnalités politiques. Et je crois que nous, en tant qu'architectes, nous devons intégrer la politique lorsqu'elle est intégrable dans notre travail. Alors, le sujet du jour, qui s'appelle donc l'enveloppe, est devenu un sujet évident, puisque l'enveloppe, c'est un des éléments du bâtiment, comme vous allez le voir un petit peu plus tard, au cours de la théorie que je vais développer ce soir. L'enveloppe est donc la partie du bâtiment qui a un potentiel énorme en ce qui concerne la mise à disposition d'informations aussi bien d'ordre social que politique. Il y a 15-20 ans, lorsque j'ai démarré dans ce métier en tant qu'architecte, lorsque j'essayais d'expliquer et même de m'expliquer à moi-même, hein, ce qui me passionnait et m'intéressait, j'avais l'habitude de citer un sociologue, David Harvey, qui disait que le capitalisme global est basé sur ce qu'il appelle les mécanismes de déplacement spatiaux et temporels, c'est-à-dire des formes par rapport au mouvement capitalisme traditionnel, qui sont juste un développement linéaire, finalement, de biens. Harvey, lui, disait le capitalisme, ou le capitalisme récent, on va dire, est caractérisé par le fait qu'il y a de nombreux mécanismes que la culture contemporaine a intégrés, qui permet aux biens et aux profits d'être aussi échangés en temps et dans l'espace, et même encore au-delà. Et en faisant cela, le système crée des conséquences que les modèles précédents des autres capitalismes plus anciens ne pouvaient pas faire. Donc ce déplacement spatial, par exemple, c'est plutôt le transport, la communication, alors que le mouvement dans l'espace, ce sont, on va dire, des créations, plutôt d'échanges d'informations, pourrait-on dire. Donc nous sommes maintenant dans un monde fluide, et nous sommes capables de manipuler aussi le temps et l'espace d'une certaine manière en produisant des conséquences, donc, et l'architecture s'intègre dans cela. Et c'est ce qui m'a très rapidement motivé par la mise en place d'une architecture qui allait justement mettre en œuvre ces systèmes, leur donner une forme d'expression. Donc voici une réalisation qui est sans doute le travail le plus connu de notre agence FOA et qui représente cette idée de mouvement spatial, la fluidité, les gens traversent cela. Et il n'y a pas de staticité. Et cela montre de quelle manière les espaces sont censés être utilisés maintenant.
Et cela fait donc partie de l'ambition, pas seulement de mon ambition d'ailleurs, mais que beaucoup de mes collègues avaient à cette époque-là, vouloir donc exprimer ce monde liquide, en mouvement et sans frontières de ce capitalisme récent. Alors, en 2001, vous le savez, les mécanismes qui avaient permis aux gens de déplacer, de se déplacer, eh bien, voilà, on donnait cela, ce système que vous connaissez, cet événement que vous connaissez tous. Mais aussi cela, par exemple, ce sont des témoins de ce qui se passe depuis un certain nombre d'années maintenant, d'où l'idée justement d'enlever la frontière. Nous ne vivons pas dans un monde sans frontières. Ça, on s'en rend compte dès qu'on ouvre les yeux, dès que l'on voit justement ces exemples. Mais l'idée des frontières a changé peut-être. Quelquefois, les frontières se matérialisent sous des formes que nous ne connaissions pas encore. Par exemple, il y a des frontières, oui, entre pays, il y a des frontières entre les différentes classes sociales, et il y a d'autres frontières qui apparaissent et qui disparaissent régulièrement. Alors, l'idée de cette enveloppe, c'est de montrer un instant T, qu'à un instant T, il y a une interaction et un engagement politique qui peut être pris dans ce monde fluide. Alors, il y a évidemment des facteurs qui interviennent à différents niveaux. Il y a ici le changement climatique qui nous fixe des limites parce que le capitalisme grandit, certes, mais il y a une limite qui est définie par les ressources de la planète qui se font de plus en plus rares. Bien sûr, je crois qu'entre-temps, le monde entier a compris. Et en termes d'architecture, eh bien, 80% de ce que les bâtiments peuvent apporter à ce genre de système, la manière dont les bâtiments contribuent, eh bien, 80% peut être de cette aggravation, justement, ou participation au changement climatique, peut entre-temps être modifiée et changée. Si nous voulons diminuer... Il nous faut donc nous engager dans ces systèmes de réduction divers et variés. Si dans le passé, les architectes essayaient d'avoir une influence sur les systèmes sociaux et politiques en se concentrant essentiellement sur le rapprochement des différentes activités. Et vous voyez les plans, les sections ici, les coupes qui nous donnent une idée de la manière dont on pouvait manipuler le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous avons ou nous devons sans doute justement nous tourner vers l'enveloppe du bâtiment si nous voulons nous engager dans ces processus de reconfiguration des frontières, reformatage ou déformatage au contraire de nos sociétés. Et c'est cette fusion entre l'ingénierie de l'environnement et l'ingénierie de l'image ou de l'expression de certaines cultures, eh bien, cette fusion est une discipline qui doit encore trouver sa voie. Alors, voilà la partie théorique que je développe un petit peu au niveau universitaire. Les rapports entre les hauteurs, les profondeurs, les largeurs d'une enveloppe, eh bien, c'est cela qui crée la règle de base. La règle de base du fonctionnement d'un bâtiment. Et c'est en organisant la pensée autour de cela que l'on crée une théorie. Moi, je pense qu'il y a des types de bases, quatre bases, on va dire, quatre formes d'enveloppes qui dégagent un certain potentiel. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, et je référerai au projet concret
de notre agence, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc tout d'abord, alors ces quatre types qui sont donc d'ordre du plat, du cubique, du rectangulaire et de l'horizontal et du vertical, pardon. Et il y a ici un certain rapport entre ces formes à respecter lorsque l'on se tourne vers la création de l'enveloppe. En général, on choisit quand même plutôt l'une que l'autre, etc. Tout d'abord, ce que j'appelle le plat ou l'horizontal, vous le connaissez, vous connaissez cela, ce sont des bâtiments qui s'étendent au-delà du sol. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, d'un point de vue historique. Lorsque l'on voulait enfermer une activité qui se faisait hors sol, eh bien, et que l'on voulait étendre cette activité, eh bien, à chaque fois qu'il fallait rajouter un bâtiment ou créer une extension, eh bien, on avait recours à ce genre de plat et horizontal. Vous connaissez ces terminaux de transport d'aéroport, toutes ces fonctions qui couvrent sur une certaine surface le sol et qui abritent une certaine fonction font partie de cette typologie. Et ce qui est intéressant avec cette typologie, c'est que la plupart de ces bâtiments sont souvent très grands, enfin, d'un point de vue de la surface. Ce sont des bâtiments qui couvrent beaucoup de surface, qui sont dédiés à une seule activité, et en même temps il y a la possibilité d'intégrer pas mal de technologies, comme par exemple les toits végétaux, ou, voire même faire en sorte que l'on puisse créer un habitat sur ces toits, alors que pendant très longtemps, on n'a absolument pas considéré cela. Alors maintenant, il y a des choses qui poussent sur le toit des immeubles, des petites bêtes qui y habitent, et je pense que cela nous donne la possibilité de considérer ces enveloppes presque comme un nouveau sol. La manière dont l'architecte considère le sol, eh bien, est liée à ce que l'on peut faire à partir du sol. Cela a changé la relation aussi avec avec le sol. C'est aussi, ou cela en tout cas, est une action, le fait de décider d'avoir un toit végétalisé, etc. Cela représente d'une certaine manière une prise de position politique ou un engagement politique. Et c'est la façon dont ces mécanismes régulent l'environnement, on va dire, de ces bâtiments et les rend intégrés et politiquement actifs dans le sens qui est sans doute dans le sens le plus important, c'est-à-dire que des architectes maintenant peuvent prendre aussi la parole d'un point de vue politique et peuvent décider de quelle manière cela va s'inscrire dans l'environnement. Il y a un petit souci néanmoins avec ce genre d'enveloppe, c'est que c'est intéressant, hein, parce qu'il s'agit d'un problème qui est lié à une forme d'expression ou de représentativité. Ces bâtiments, en raison de leur taille, ont un... ne nous donne pas beaucoup ne n'ouvre pas la porte à la fantaisie, on va dire, de réalisation des façades et la frontière extérieure de ces bâtiments, puisque tout se passe à l'intérieur. Donc, en général, la façade, par exemple, ou le mur d'enceinte ou l'extérieur de ce bâtiment ne sert aucun propos autre que celui de servir d'enceinte de fermement ou de fermeture d'une activité. Et il n'y a pas ici de production d'architecture. Il n'y a juste que certains signes qui sont déposés à l'extérieur et qui indiquent à quoi va servir ou sert déjà ce bâtiment. Et vous voyez ici, c'est une relation particulière avec le sol. L'expression de ce genre de fonctionnalité, évidemment, crée ou soulève des questions politiques et d'engagement politique.
Maintenant, ici, un centre commercial qui a été créé à Istanbul, tout ça pour illustrer mes propos, qui a été créé donc en 2004 sur le site ancien d'Istanbul, au milieu d'une infrastructure peu déterminée, et puis qui se trouve à proximité d'IKEA. Alors, IKEA, c'est le paradigme de cette enveloppe plate et horizontale. C'est l'exemplarité même, c'est une enveloppe qui n'a rien à voir avec le sol ou le lieu dans lequel il est inscrit. Ce bâtiment a un toit qui est recouvert d'asphalte, enfin de goudron. Il n'y a pas d'éclairage naturel à l'intérieur. Le toit, d'ailleurs, perturbe complètement, dans certains endroits où ces bâtiments sont implantés, tout le cycle naturel de récupération des eaux, par exemple. Le tout, évidemment, entouré d'un parking visible énorme. C'est évidemment tout ce que nous ne voulons pas faire, puisque nous parlons d'un engagement avec le sol, avec l'environnement. On parle d'intégration, mais on parle aussi maintenant des flux énergétiques qui doivent être évidemment renouvelables, mais surtout durables. Donc, nous avons réalisé qu'il y avait un sol, particulièrement une terre ici très intéressante, rouge, vous voyez ici, donc c'est un sol argileux. C'est un petit peu, même très représentatif de la qualité du sol de la région d'Istanbul, donc de l'argile. Il y a aussi de la verdure éventuellement à certaines saisons, donc on s'est décidé pour la palette de couleurs verte et rouge au lieu de créer quelque chose d'autre, puisque nous, on voulait vraiment rester en lien avec le sol et on ne voulait pas créer quelque chose qui allait manipuler ce site naturel, on va dire. Donc ici, vous voyez une coupe transversale qui vous montre les parkings qui ont été transférés à l'extérieur du bâtiment et en dessous. Ici, l'endroit où le sol, la terre, rejoint le toit de ce bâtiment avec un éclairage naturel à l'intérieur pour certains espaces qui créent un lien avec la nature, évidemment. Et voilà ce que nous avons produit. C'est une enveloppe, certes. On ne sait plus très bien si c'est un toit, si c'est un mur extérieur. J'avance un petit peu rapidement. J'utilise. Ce sont donc des explications pour les stratégies dont je vous parle. Nous avons également de la terre qui recouvre en partie le volume quand même assez considérable de ce bâtiment. L'idée, c'est que le toit devienne entièrement, en soi, une continuité avec la nature environnante. Nous avons adopté des matériaux locaux. En particulier, par exemple, du bois, mais en utilisant le sol même et la terre, il y a une dématérialisation, d'une certaine manière, de ce bâtiment. Pendant très longtemps, on faisait de l'artificiel. Nous faisons du local, concret, réel. Ici, donc, cette ouverture qui permet l'éclairage naturel et la ventilation naturelle aussi, bien sûr, dans ce bâtiment. Et ces ouvertures deviennent un mécanisme de création d'une certaine topographie sur le dessus de ce bâtiment. Ici, quelques espaces publics, donc, qui se sont créés presque naturellement à partir de l'existence de ce bâtiment et en facilite la lecture. Deuxième projet, il s'agit d'une réalisation qui est en cours à l'heure actuelle. Et là, on essaie de regarder ce qui se passe à la limite, aux bornes du bâtiment. Bon, je devrais dire que la plupart des réalisations que je vais vous montrer aujourd'hui ne sont pas des projets de l'État ou de les autorités publiques. Ce sont des projets pour des maîtres
d'ouvrages commerciaux, privés. Donc souvent, on doit prendre ces projets commerciaux et faire quelque chose avec pour que cela devienne différent. Bon, là, ça aurait pu être un projet de réalisation publique. C'est pour la gare de Birmingham, en plein centre-ville, et bâtiment des années 70, en cours de renouvellement urbain. Mais on nous a demandé de produire une image, l'extérieur, une image de cette gare qui allait montrer ce qui se fait à l'intérieur. On ne nous a pas demandé de renouveler cela. Et on ne pouvait pas percer cette enveloppe. On devait véhiculer l'expression. On ne pouvait pas apporter de la lumière du jour des fenêtres parce que tout ce qu'on faisait à l'extérieur, on devait faire sans toucher en rien, sans déranger cette activité commerciale qui avait lieu à l'intérieur du bâtiment. Donc, compte tenu de cette idée où on devait créer une identité, on devait véhiculer l'identité du bâtiment qui devait correspondre à la ville de Birmingham, mais en tenant compte également de l'utilisation précise du bâtiment, on a essayé de voir ce qu'on pouvait prendre comme thème pour faire la synthèse de cette nouvelle identité qu'on nous a demandé de présenter. Donc, Birmingham se trouve en plein milieu de l'Angleterre. Il y a des routes partout. C'est une ville centre de communication avec des canaux, des routes. Et c'est ça l'esprit de cette ville. On traverse la ville, tout simplement. Il y a ces routes qui traversent la ville. Et donc, on a commencé à étudier notre réflexion, chercher à prendre cela comme identité de la ville et identité de la gare. Et il fallait explorer cela, il fallait que la gare puisse véhiculer cette idée. On a commencé par voir les flux dans ce, autour d'eux et dans ce bâtiment. Il s'agit d'une des gares les plus utilisées en Europe. Il y a les trains qui passent en dessous. Là, on voit les percées et donc les trains sont en dessous et on ne voit pas les trains avant de monter à bord. Il y a également le niveau du sol où il y a beaucoup de gens qui se déplacent en faisant la navette entre leurs différentes parties de la ville. Il y a toujours les déplacements et il y a un peu de ciel. Et bon, on voulait être un peu ironique parce que auparavant, on savait que Birmingham était couverte par un ciel noir. Il y avait la sidérurgie qui se trouve maintenant sans doute en Corée. Mais donc maintenant, il y a ce ciel qu'on a voulu faire rentrer dans le projet. Donc, on a voulu créer une série de surfaces qui pouvait réfléchir. Donc, au cours des années 70, on faisait ça avec des façades en glace, en miroir. Et là, on voulait le faire autrement, montrant l'un des quatre éléments de la gare. Le ciel, les trains, l'espace public avec les personnes et également cet écran. Et donc, là, vous voyez les différentes parties de la gare. Bon, il y a un grand bâtiment en plein milieu de la ville et en fonction de la distance et là où on se trouve pour regarder, les plans de l'enveloppe vont s'orienter de différentes façons pour montrer cela. Donc, on a étudié les différentes coupes, les différentes perspectives pour essayer de donner une idée de l'invisible. Là, il y a les trains qu'on ne voit pas du niveau du sol. Et après avoir étudié ces éléments, on a passé par notre système de morphing pour créer
quelque chose qui représente l'image future de la gare nouveau. Donc là, il s'agit d'une sorte de fresque qui met ensemble ces quatre flux aux différents niveaux, et cela est maintenant intégré dans l'identité de cette enveloppe nouvelle qui ne dépend plus de la transparence entre l'intérieur et l'extérieur, que ce soit sur le plan environnemental ou sur le plan visuel. Donc, on ne pouvait pas voir à l'intérieur du bâtiment, donc on devait montrer la ville à l'extérieur et l'ensemble des flux, l'ensemble des matières, des éléments qui sont présents dans ce bâtiment. On voulait montrer cela comme cœur et interface des flux. Bon, bien entendu, là, vous voyez que ce que doit faire la façade à l'avenir. Bon, d'en bas, on devrait voir le reflet des trains sur la partie inférieure de la surface. On voit le ciel et également les nuages sur la partie supérieure de cette enveloppe. Et on verra aussi le reflet des personnes. Donc, si tout marche bien, bon. Bon, moi, je pense que c'est une image de Birmingham où les choses sont toujours en train de bouger autour de la gare. Donc, maintenant, on va passer à notre deuxième catégorie des bâtiments sphériques, pas seulement, ou pas vraiment parce que c'est toujours en forme de sphère, mais la hauteur égale le profondeur égale la troisième dimension. Donc là, on a une enveloppe. Là, ce sont des bâtiments un peu grossis. Et ce qui est intéressant dans ces bâtiments, quand on regarde l'enveloppe, quand on regarde ce qu'on montre comme politique ici, comme engagement politique, là, on voit que on a normalement la surface extérieure de l'enveloppe la plus petite par rapport au contenu, au volume du bâtiment. Donc, si on prend les ratios classiques, normalement, il y a moins de façades par rapport au mètre cube d'air ou de volume à l'intérieur. Cela est intéressant. Donc là, ce sont les bâtiments où l'enveloppe a moins de capacité à interagir, influer sur l'environnement à l'intérieur. Donc, il y a plus de volume par mètre carré de façade que dans tout autre type de bâtiment. Et au cours des dernières années, cela fait l'objet de beaucoup d'études. Donc, cela permet de libérer l'architecte. Bon, l'architecte, maintenant, peut éviter de produire des effets environnementaux en travaillant sur la façade. Disons que le comportement de la façade a moins d'importance par rapport à d'autres types de bâtiments, et on peut effectuer une recherche davantage iconographique qui cherche à exprimer le but, la finalité du bâtiment. Normalement, ce sont des bâtiments publics qui, le plus souvent, ne fonctionnent pas sans la climatisation, et des exemples qu'on peut produire du passé étaient surtout des bâtiments manifestes qui cherchaient à véhiculer un message politique, parce qu'en tant que bâtiment, ils ne sont pas très efficaces en ce qui concerne la façon dont on peut agir sur l'environnement. Donc, il y a toute une histoire des bâtiments de ce type où on a l'idée de construire l'enveloppe pour créer, pour concrétiser une forme d'utopie avec un nouveau monde représenté par et englobé par cette enveloppe
sphérique qui est un élément de l'environnement. Donc, bien entendu, l'architecte, compte tenu de ce type de typologie, s'engage dans des recherches qu'on pourrait qualifier surtout d'iconographiques. Beaucoup d'expériences ont pu ont été facilitées par les nouvelles technologies du bâtiment qui permettent d'exploiter cette situation où on a peu d'obligations d'agir sur l'environnement. Donc il y a des exemples tout à fait remarquables. Par exemple, ça c'est à Pékin, en Chine, où on voit ces types d'enveloppes qui cherchent à véhiculer un message cohérente qui concerne vraisemblablement l'expression d'une culture. Et là, c'est une culture qui continue à produire de grands objets, des objets de très grande échelle, mais il n'y a plus l'uniforme Mao. Et donc, en Chine maintenant, on a une culture qui peut tenir compte des différences. Et pour les Jeux olympiques de Pékin, on a vu que ce motif se répétait. Et ce n'est pas seulement le cas en Chine, c'est quelque chose que nous voyons souvent. Il semble comme un besoin de la part des architectes contemporains qui veulent différencier l'enveloppe, qui veulent différencier et exprimer les cultures. Donc il y a deux bâtiments qui ne sont pas, je crois, des prototypes ou des cas classiques de bâtiments dits sphériques. Mais je veux vous montrer la façon dont l'enveloppe est en rapport avec l'environnement, et c'est cela le cas. L'enveloppe devient quelque peu autonome. L'enveloppe est le lieu où l'on inscrit certains messages, mais on n'a pas besoin de beaucoup utiliser l'enveloppe pour agir sur l'environnement. Premier cas, c'est un centre commercial dans la ville de Leicester, de 2004, je pense. Et donc, là, vous voyez qu'il s'agissait d'une réalisation commerciale où on avait peu à dire. Bon, on pouvait jouer sur l'enveloppe et on pouvait essayer de travailler de façon intelligente en ce qui concerne l'aménagement interne, mais c'est le client qui exprime ses besoins et on ne peut pas s'en écarter trop. Et c'est pour cela que je pense que l'enveloppe risque d'être le dernier domaine permettant aux architectes d'exercer un degré de contrôle sur les bâtiments. Parce que la plupart de ces projets, de ces réalisations sont étudiés bien en amont par le client. Et il est difficile de s'en écarter si on veut réaliser de tels bâtiments. Donc, dans ce cas-là, on cherchait surtout à synthétiser un message concernant la ville de Leicester. Auparavant, il y avait beaucoup d'industries textiles et filatures et c'est John Lewis qui dirige ce centre commercial, célèbre pour les bas et la dentelle. Il y a maintenant une grande partie de la population d'origine asiatique. Donc, voici notre proposition. Souvent, ces bâtiments ont une enveloppe opaque et nous, on voulait présenter un niveau de transparence entre l'intérieur et l'extérieur pour permettre de voir à partir de l'extérieur ce qui se fait à l'intérieur, où les gens pouvaient deviner ce qui se passait et vice-versa, pour casser cette barrière entre le citoyen d'une part et le chaland à l'intérieur. Donc on voulait davantage d'engagement mutuel entre l'intérieur et l'extérieur. On voulait se servir d'un motif des archives de John Lewis, l'entreprise qui était instrumentale dans ce projet, à cause du pourcentage de remplissage là. Donc on devait avoir du double vitrage et il y avait des exigences et donc on devait apporter un certain coefficient d'ombre pour que le bâtiment puisse fonctionner correctement.
sur le plan environnemental pour avoir un niveau adéquat d'efficacité environnementale. Donc on a pris ce motif qui existait et on a trouvé différentes façons de le rendre avec différents niveaux de transparence avec un effet global qui était toujours pareil. Donc là, on avait différentes coefficients d'opacité. Donc, on pouvait différencier tout au long de l'enveloppe tout en apportant une idée unie. Donc, on avait à la fois la différenciation et l'unité. Donc, on a posé les carreaux de façon à produire davantage de transparence ou d'opacité là où, de translucence là où on voulait. Et il y avait également l'échelle choisie qui devait être liée au corps humain en tournant ce motif autour de la tête humaine. Donc on avait ces deux couches avec les deux verres du double vitrage et on pouvait voir à travers parce qu'on avait le motif sur les deux couches. Donc de l'intérieur, on peut regarder vers l'extérieur en voyant deux fois ce motif, mais à partir de l'intérieur, en regardant vers l'intérieur, on ne voit pas bien ce qui se passe. On voit un peu de lumière, on peut voir qu'il existe des gens, mais on n'a pas le regard qui traverse complètement. Et c'est quelque chose qui a bien intéressé le client. C'était répondu à ses désirs. Donc, quelques images du bâtiment et des effets avec... En fonction de la lumière, on aura des reflets. Donc, certains jours, c'est plus transparent. D'autres jours, il y a plus d'opacité. Parfois, on voit mieux le ciel ou la ville alentour. Et parfois, même, il s'agit d'une sorte de lanterne chinoise avec des changements de couleurs. Donc là, grosso modo, vous voyez comment cette idée du tissu, du motif, est devenue l'identité de cette enveloppe qui cherche à s'ouvrir davantage vers l'extérieur du bâtiment. Deuxième bâtiment de type sphérique, un bâtiment qui a été construit juste devant le dôme. Donc, en orange ici, vous voyez le bâtiment pour l'école Ravensbourne, le centre de recherche universitaire à Greenwich, à côté du dôme. Et il fallait tenir compte de l'implantation déjà du dôme. Il fallait notre croissant et on a simplifié cela pour avoir quelque chose qui était moins en forme de croissant, mais davantage en avec des lignes droites qui étaient plus à même d'être un espace pour l'école. Je ne vais pas expliquer tout le programme, mais on voulait un atrium à l'intérieur qui pouvait relier ou s'ouvrir sur les différents services, départements de l'école. Et donc, il y a un grand bâtiment qu'on a déployé autour de l'atrium. Il s'agit, comme vous le voyez bien, d'un bâtiment assez classique. Et on nous a demandé de permettre de transformer ce bâtiment en bureau si, pour une raison ou une autre, l'école devait se fermer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se fait tout à fait couramment au Royaume-Uni, où on doit pouvoir voir l'avenir. Donc, c'était assez intéressant à l'intérieur, mais ça n'a rien à voir avec l'enveloppe. Mais à l'intérieur, on a créé des demi-niveaux pour communiquer entre les deux les niveaux. Donc on a 2, 2, 1, 2, B et on monte jusqu'à l'étage 6B. Il s'agit d'un bâtiment assez élevé et là, avec l'idée des deux niveaux pour les sols, bon, l'idée c'était que l'école était un peu comme un grand contenant. Donc, encore une fois, on a l'idée de cette enveloppe sphérique qui est un grand contenant
qui va contenir quelque chose de moins structuré, de plus fluide, ou là, curieusement, avec les deux niveaux pour chaque étage, on a une cassure de la stratification du bâtiment. Cela injecte un niveau de fluidité et après, on a ce motif autour qui essaie de casser la stratification, de déstratifier l'image de ce bâtiment. Donc, vous vous souvenez de l'école, donc où on a tous ces niveaux avec les fenêtres qui se répètent de façon horizontale à chaque niveau. Et ici, on cherchait à faire en sorte que l'enveloppe soit un peu opaque, un peu mystérieuse. Et comme s'il s'agissait d'une sorte de silo où se faisait la formation à l'intérieur. Et tout cela était obligé parce qu'on était face au dôme, grand objet abstrait. Donc, on voulait faire quelque chose d'important. Il aurait été très difficile. Il était très difficile de maîtriser les problèmes d'échelle par rapport au tome. Mais en ce qui concerne l'enveloppe et notre exercice, voici l'essentiel. On a cherché à synthétiser la nouvelle identité de cette ce centre de design, c'est une école de design, et au Royaume-Uni, il y a la tradition Arts and Crafts, avec Maurice, il y a les tissus, les papiers peints, etc. Et donc, l'enveloppe nous permettait de mettre en œuvre cette idée où on pouvait produire quasiment un silo tapissé. Mais au lieu d'utiliser des motifs à fleurs, on a décidé de faire cela. Donc, nous avons développé ce motif. Donc, il y a un mathématicien, Hirschholm, qui a inventé pas ce motif exact, mais quelque chose basé sur ce qu'il appelle les pentagones maigres et les pentagones larges, et permet de couvrir des plans, des surfaces planes avec des tuiles. Nous, on a introduit le triangle entre les deux, ce qui permettait de modifier le motif en nous permettant de faire des ensembles et de ces percées, des percées de différentes tailles, de différentes échelles, simplement en aménageant les tuiles d'une autre façon. Donc, ce sont des carreaux céramiques que nous avons posés et donc on a les bordures qui se relient. Et bien entendu, cela est lié à notre idée des deux niveaux par étage. Donc, à chaque niveau, nous avons deux niveaux de ces ouvertures rondes qui permettent de correspondre aux besoins dans les salles, mais dans tous les cas, cela est de la bonne taille. Mais quand on est à l'extérieur, il est encore plus difficile de constater les niveaux des étages. Et cela permet de diffuser, séparer l'intérieur de l'extérieur avec des activités qui se font à l'intérieur. Donc voici la façade. On a identifié où se trouvaient les programmes qui étaient au bord de ces motifs. Et puis, on a essayé d'aménager les ouvertures, les fenêtres, en fonction des activités à l'intérieur. Donc, nous avons notre motif avec ces ouvertures qui nous permet de jouer. C'est un jeu. Et donc, il y a toujours des fenêtres en partie basse, de diamètre 1,90 m, pour voir vers l'extérieur. Et au-dessus, il y a d'autres fenêtres qui permettent de faire rentrer le jour profondément dans l'espace.
Donc voici quelques-unes des photographies prises encore du projet. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le bâtiment est à la fois opaque et très transparent. Donc vous avez vu l'agencement des ouvertures des fenêtres qui est conçu pour correspondre aux activités qui ont lieu à l'intérieur du bâtiment. Mais donc on a cette transparence mystérieuse qui va encore plus loin parce que nous avons des carreaux de différentes couleurs, donc avec des codes. Donc chaque fois qu'on a eu un carreau situé un tel angle par rapport au centre, nous avons les mêmes couleurs par rapport aux rayons qui sortent du centre. Donc nous avons un système quasi automatique pour l'ornement. Donc en fonction de la taille de l'ouverture, on aura tel ou tel motif en façade. Et c'est ce qui se fait quand on met en œuvre ce système. Donc ça se fait automatiquement. Donc il y a d'une part notre tentative de rendre le bâtiment mystérieux, un peu comme un silo, et en même temps on cherche vraiment à rendre le bâtiment complètement transparent, du programme jusqu'au motif de la surface. Voici quelques photos de notre réalisation achevée. Et là, vous voyez que le motif varie en fonction des fenêtres. Là, on voit à partir de l'intérieur où nous avons ces deux atriums qui concentrent l'ensemble des fonctions du bâtiment. Et maintenant, passons à notre troisième catégorie, c'est ce que j'appelle l'enveloppe de type plat vertical. Et là, tout le monde appelle cela en anglais slab. Donc, c'est le rectangle vertical qui correspond au l'accueil des fonctions où on a quelque chose qui est répétitif et optimisé en ce qui concerne la profondeur et l'environnement. Donc je pense que quelques 90% des plans des villes après l'époque des lumières correspond à cela. Donc, donc si on a une profondeur de foncier de 10 ou de 15 mètres, on aura un bâtiment de, disons, 10, 9 mètres de profondeur avec ce gabarit répété. Donc, quel est le potentiel d'une telle typologie d'enveloppe? Bon, avec cette catégorie d'enveloppe, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, cela permet de diviser, de marquer la frontière entre l'espace public et l'espace privé dans une ville. Voici des dessins du Corbusier qui parlent des villes traditionnelles, et lui, il proposait quelque chose où il n'y avait plus de partie avant et partie arrière des bâtiments. Donc, à la cité radieuse, il cherchait à éliminer la façade du bâtiment à la fois comme véhicule iconographique et également comme frontière entre le domaine public et le domaine privé. Et donc là, par exemple, on a Barcelone au centre d'une ville où on a ces pavés. Et là, vous voyez ces typologies mises en œuvre dans le cadre de l'héritage du Corbusier, par exemple, à Toulouse, au Mirail. Bon, on n'a pas de façade, il n'y a pas d'avant, pas de derrière. Et là, on porte ça à l'extrême. Et là, il s'agit d'une sorte d'espace public où tout est public. Et il n'y a que de privé que l'intérieur. Lorsqu'on commence à monter dans cette zone verticale. Mais ici, l'enveloppe joue un rôle critique
en ce qui concerne le conditionnement de l'environnement. Donc, il y a des questions de la ventilation, il y a l'ensoleillement, et ça permet d'agir sur l'environnement, mais ce sont également des éléments qui permettent d'exprimer l'essence du bâtiment. Et donc, ça, c'est la règle de base pour l'expression de ce type d'enveloppe. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de cas où ces enveloppes communiquent des messages. Où il y a également parfois simplement quelque chose qui tourne autour, qui est conçu exprès pour entourer, d'emballer l'espace. Donc avant, vous avez vu qu'on montrait les appartements séparés et les balcons. Ici, c'est différent. Et donc, la façade va se prononcer sur la façon dont l'environnement est habité, et également il faut tenir compte des performances sur le plan de l'environnement. Voici d'autres exemples plus près de nous qui permettent d'expliquer ce désir latent caché. Parce qu'à l'heure actuelle, les bâtiments de nos jours doivent exprimer, refléter une société multiculturelle, et donc cherchent de façon délibérée à explorer des possibilités de différencier au sein de l'enveloppe. Donc, que ce soit des différences qui cherchent à influer sur l'environnement, que ce soit le cas ou pas. Peu importe, ce qui compte le plus, c'est que ce sont des icônes, des emblèmes de la pluralité. Donc, il y a deux projets que j'aimerais vous montrer à cet égard. Quelque chose que nous avons réalisé dans le passé, donc tout d'abord de l'habitat social à l'extérieur de Madrid, ou en tout cas dans la banlieue proche de Madrid, où on nous a donné ce carré, et il y avait une hauteur limitée en raison des résidences aussi aux alentours. Et puis, on a su à un moment donné qu'il y allait avoir un parc à l'avant de ce bâtiment. Donc, on s'est dit, on va faire un seul bloc de bâtiment qui va faire face au parc. Et en fait, ce parc est un genre de parc privé, mais nous, on va le traiter de toute façon comme s'il n'était pas public, mais privé, et que chacun ait un accès privilégié à ce parc, de manière à pouvoir en même temps caser, j'ai envie de dire, le nombre d'unités d'habitation qu'on nous avait demandé d'y caser. Nous avons donc choisi une taille particulière. Ici, vous avez l'échelle naturellement ventilée, parce que chaque appartement, finalement, ou unité de logement s'ouvrait sur l'avant et sur l'arrière. Donc, une double exposition. Et en choisissant un bâtiment extrêmement compact et profond, nous nous sommes dit que nous pourrions peut-être économiser d'une certaine manière sur d'autres finitions de ce bâtiment et investir réellement dans la façade ou dans l'enveloppe. Donc, on a décidé de choisir du verre. En fait, c'est une enveloppe en verre, essentiellement, qui devait ensuite être protégée, puisque c'est une exposition est-ouest, double exposition est-ouest. Voilà. Donc, c'est une enveloppe transparente qui contient donc ces unités à double exposition, protégée ensuite par une peau isolante et un espace tampon ici qui enveloppe et qui s'étire tout autour de ce volume. Bon, je ne vais pas aller dans les détails de ce bâtiment. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que certains de ces appartements, comme vous le voyez, sont assez longs. Et donc tout en longueur, certains plus larges que d'autres. Et puis il y a, voilà, ici ce système donc de tampons et aussi de tampons, mais aussi
qui fonctionne comme un écran et qui peut permettre plus ou moins de transparence ou au contraire d'occultation souhaitée en fonction de ce que l'on veut. Ici, donc, cette enveloppe variable, alors ça, c'est voilà, ça, on est passé à un autre bâtiment entre-temps qui est d'une certaine manière beaucoup plus opaque que le verre, mais peut être à un moment donné ouvert complètement sur l'extérieur. Ici, vous voyez le genre de bâtiment construit à côté, la presque quasi impossibilité d'avoir une échappatoire architecturale. Il y a absolument, enfin, à part la touche de couleur qui distingue différentes parties du bâtiment, il n'y a vraiment pas d'autres possibilités. Nous avons décidé d'avoir une couverture, une enveloppe totalement unitaire, un seul matériau, une seule couleur, mais un système en tout cas qui peut donner de l'ombre à ce bâtiment à base de volets comme ça en accordéon, en bois, et qui pour nous crée une différenciation qui est particulièrement importante et qui reflète aussi l'ambition, j'ai envie de dire, l'attente que nous avons et qui nous distingue des autres. Voilà d'autres. Vous voyez ici les coursives, enfin les balcons en détail. Et je voudrais passer maintenant à l'autre exemple de plat mais vertical. Un exemple qui nous vient de Londres, cette fois-ci. Ici, c'est un bâtiment de bureau. Une fois de plus, hein, cette typologie répétitive. D'ailleurs, qui va parfaitement bien pour installer des bureaux. Donc, vous voyez ici le site. Certains bâtiments ont été démolis, donc il y a un peu d'espace. Et la manière. Ce projet s'articule autour de trois bâtiments abritant des bureaux totalement conventionnels et habituels. Alors, donc, on a d'abord regardé comment tout cela s'inscrivait sur le site, et puis ensuite on les a un petit peu, eh bien, j'ai presque envie de dire saucissonnés, réargencés, et puis on a pris en considération la lumière, comment est-ce qu'on peut apporter de l'ombre, comment est-ce qu'on peut augmenter de la lumière, etc. Et puis on en est venu à ces enveloppes qui vont recouvrir finalement ces bâtiments. On dirait des cristaux mal taillés, pas finis. Brut. Voilà les bâtiments à l'échelle avec différentes hauteurs, hein, parce que il faut aussi qu'il y ait des différentes. Enfin, il y a un empêchement qui est créé naturellement par certaines lois qui existent en Angleterre et qui protègent les perspectives, par exemple. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'un bâtiment assez haut ça soit. Un bâtiment haut ne pourra pas empêcher la vue d'un autre bâtiment qui serait plus bas, par exemple. Donc, d'où l'idée de ces hauteurs différentes. Et d'où l'idée aussi, finalement, de mettre ces cristaux bruts disséminés à l'intérieur de cette zone. Ce qui est intéressant pour cet exemple concret, cette réalisation, c'est que certaines, on va dire, performances artistiques du bâtiment sont ensuite utilisées à des fins pratiques. Alors, on nous avait donné comme consigne d'avoir ici du verre, donc pour reprendre cette idée aussi du cristal, des pierres précieuses, mais en même temps, on ne peut pas faire que du verre parce que cela accumule beaucoup trop de chaleur. Donc, il nous a fallu aussi trouver une façon d'abriter du soleil ou de trouver une manière naturelle de créer de l'ombre. Et cela, nous l'avons imaginé à partir de cette analyse cumulative qui explique, enfin qui d'abord mesure évidemment la radiation solaire qui est reçue par ce bâtiment sur toutes les surfaces, calcul qui est fait pour toutes les surfaces et tous les angles d'ensoleillement du bâtiment pendant toute l'année, bien sûr.
Donc ensuite, nous avons créé un schéma et un modèle qui nous permettait de démarrer vraiment le projet architectural à partir de différents carreaux, enfin ici des carreaux de faïence. Alors il y a des endroits où il y a plus ou moins d'exposition solaire, donc vers le nord évidemment on a besoin de moins d'ombre, etc. Donc nous avons utilisé utiliser différents types de verres et de carreaux de verre, des carreaux de verre donc différents qui ici laissent entrer la lumière naturelle ou au contraire abritent de l'ensoleillement. Et voilà ce que cela donne. Vous voyez ces différents bloc de cristal, d'une certaine manière, comme je vous le disais tout à l'heure, taillé d'une façon très particulière, et tout cela se trouve au centre de Londres. Et là, une petite animation peut-être qui... Alors, ce film n'a pas été réalisé par nous, mais montre un petit peu de quelle manière peut se créer l'idée de l'enveloppe de ce bâtiment et devient l'identité finalement de ce projet. De quelle manière cela est digéré, intégré et utilisé par les différentes personnes qui doivent ensuite commercialiser ce bâtiment, vendre les bureaux, vendre le projet, la réalisation tout court. Voilà, c'est donc une animation, on pourrait dire, presque commerciale. On ne va pas regarder toute la vidéo, mais c'est assez curieux de voir comment l'idée de cette forme et de ces cristaux, de ces gemmes a été réutilisée et devient un moyen de produire une identité. C'est sans doute une magnifique façon d'illustrer la recherche que nous faisons. C'est en tout cas, enfin, cela correspond à mon idée de la recherche. Ce domaine, l'espace qui se trouve entre la construction et l'identité d'un bâtiment. En même temps, cela englobe la performance technique. Voilà, je vais arrêter malheureusement cette petite vidéo parce que le temps avance et j'ai encore une catégorie quand même de bâtiments à vous montrer. Alors, je suis désolée, on prend peut-être un petit peu trop de temps. Mais la dernière catégorie est donc la verticale, la catégorie que verticale. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette catégorie-là par rapport aux trois autres, c'est que par opposition au plat vertical où la texture de l'enveloppe est la régulation même ou générateur de l'iconographie, de l'image, de l'identité du bâtiment, eh bien, dans la typologie verticale, c'est la masse même du bâtiment qui devient son identité et qui reflète la manière dont le lien peut exister entre la performance du bâtiment et le lien entre le but aussi ou l'utilisation du bâtiment. C'est là que l'on explore. C'est là que l'on explore les possibilités entre le purement technique et la représentation. Et c'est là aussi où on peut créer un lien avec l'engagement politique. Ici, on peut se lâcher d'une certaine manière sur l'expression politique. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, avec cette typologie, c'est que la tension entre la performance iconographie et la performance technique est à son sommet. C'est au maximum ici, par rapport à toutes les autres enveloppes dont je vous ai parlé. Ici, on parle vraiment d'argent. Ça coûte extrêmement cher.
cher, il y a des performances structurelles qui sont absolument indispensables. Il y a là la pression aussi de l'environnement, il faut intégrer cela dans l'environnement et en même temps on exige de ces bâtiments qu'ils soient particulièrement expressifs de l'identité que l'on veut leur donner, etc. C'est une vraie représentation. Donc ici il s'agit du reflet de ce que l'on veut refléter. Hein. Ça peut être par exemple le bambou chinois, par exemple, pourquoi pas. L'enveloppe est le résultat mathématique, par exemple, d'une équation qui exige un apport de lumière dans l'habitat et en même temps un habitat extrêmement dense. Vous avez sans doute, enfin si vous connaissez Hong Kong, vous connaissez ce genre de schéma, un maximum d'habitat, mais en même temps, si l'on peut, de la lumière naturelle pour toutes les pièces qui sont habitées dans ce bâtiment. C'est là donc le lien entre la performance environnementale et l'iconographie en même temps, parce qu'il faut que ce soit représentatif. Et c'est dans cet interstice-là qu'apparaît la créativité. La typologie verticale, dérive d'une performance technique, et entre-temps, cela est devenu, c'est devenu le monde de Frankenstein, où on travaille le design, on essaye de donner à ces enveloppes une représentativité qui est plus ou moins expressive, la plupart du temps plutôt moins, mais en tout cas reflète souvent l'aspect politique ou l'engagement politique. Il y a aussi pour cette typologie-là l'expression de l'intégration environnementale, mais aussi de la performance technique. Voilà quelques travaux que nous avons faits dans notre agence, de manière à pouvoir comprendre de quelle façon l'emprise au sol est soumise ou génère des contraintes environnementales, sont soumises à des stress ou moins par rapport à l'environnement. Donc on a fait des études sur les triangles, les cercles, les carrés. On a ensuite essayé de modifier à chaque fois les formes pour que ces formes d'origine simple primaire puissent être en accord avec une contrainte, soit environnementale, soit technique, etc. Mais on ne peut pas toujours mesurer cette performance environnementale. Cela demande beaucoup, beaucoup de recherche. Néanmoins, ça reste un sujet tout à fait fascinant et ça nous a mené à cette recherche très intéressante que nous faisons. Vous voyez ici aussi des variations assez importantes que ces données bâtiments génère en fonction d'une culture. Ici, on est en Occident, ce sont des bâtiments souvent fermés, qui sont aérés par de l'air conditionné, de la lumière artificielle, et qui ont donc ici des enveloppes assez compactes avec des données comme ça et des ratios environnementaux relativement peu élevés. Et puis ici, le sud-est de l'Asie, ici la Chine par exemple, l'enveloppe devient de plus en plus compliquée et nous met ici à défier des empreintes environnementales qui sont quasiment doublées par rapport à ces formes simples. Et puis bon, on peut s'amuser à faire cela avec d'autres pays, d'autres régions, hein, les USA, la Corée du Sud, etc. Alors, nous avons fait d'autres recherches académiques, comme par exemple à l'université de Princeton, où nous avons essayé de mettre au point une typographie idéale qui pourrait convenir aux régions les plus peuplées du monde, en fonction aussi du climat, de la densité, etc. Donc, on a fait du morphing ici pour ces bâtiments. Créer toujours à chaque fois des liens
Ici, le calcul des ratios de façade à partir de certains changements dans le design de la façade. Nous avons été invités à participer à l'appel d'offres pour reconfigurer ce qui entre-temps s'appelle Ground Zero à New York, le niveau zéro, donc pour pouvoir remplacer les tours jumelles du World Trade Center. L'idée ici, c'est que les structures élevées. Enfin, on a essayé d'améliorer évidemment la performance structurelle du bâtiment pour en faire l'identité de la construction. C'était ça notre base de travail, notre hypothèse de départ pour le projet. Donc ici, une enveloppe extérieure. Ici, une enveloppe particulière comme un tube qui viendrait entourer un immeuble pour la tour Sears. Donc, des tours qui coopèrent les unes avec les autres, des tuyaux d'une certaine manière, des tubes qui ne sont pas forcément droits, qui sont quelquefois un petit peu tordus. La question, c'est toujours comment créer une identité à partir d'un fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, et même encore maintenant, les tours sont soumises à des contraintes qui viennent de l'extérieur et latérales, des contraintes latérales, d'air, etc. Donc, il fallait trouver un moyen de pouvoir répondre à ces contraintes. Donc, ici, vous voyez une forme prolongée sur toute la hauteur du bâtiment, une enveloppe qui est cohérente du bas vers le haut. Bon, la prise en compte de multiples critères, hein. Voilà l'idée, en tout cas, que nous avions en tête au moment de soumettre le projet à l'appel d'offres. Donc, ça a donné vraiment. C'était ça l'idée. Vous voyez aussi cette tour humaine, cette structure, cette statue humaine qui permet la coopération et qui reflète l'idée que beaucoup de personnes doivent travailler ensemble pour obtenir quelque chose. Et puis. Bon, voici une compétition, un concours qu'on n'a pas remporté, mais cela est intéressant parce que cela montre la tension entre les exigences des tours qui doivent véhiculer une idéologie, une expression politique, mais en même temps, ce sont des structures qui doivent être performantes sur le plan technique et fonctionnel. Donc, il y avait six agence et c'est ce pays qui l'a remporté, mais je ne crois pas qu'ils aient construit là. Donc ça, c'est la ville de Séville en Espagne, et là, comme vous voyez, il n'y a pas une seule tour, d'autant plus qu'il y a cette tour là que vous connaissez, et pendant des siècles c'était le bâtiment le tour le plus élevé de l'Europe, la Herald. Et il y a une loi qui dit qu'aucun bâtiment ne peut être plus haut que le Herald. Et à l'époque, il y avait un maire qui voulait construire plus haut. Il n'y avait aucune raison commerciale de construire une tour ici. Comme vous voyez, il y a assez de place pour mettre en place un programme de bâtiments, bureaux et bâtiments commerciaux. Mais on nous a demandé de construire ou de prévoir une tour de 180 mètres. Et donc, encore une fois, compte tenu de cela, la question qui se posait était comment peut-on procéder? Si on doit construire plus haut que le Giralda à Séville, il fallait bien entendu que ce bâtiment soit véhicule de la culture locale. Et on a commencé par étudier des exemples de l'art baroque à Séville. Et on a regardé également
la culture, mauresque, la construction avec des carreaux et des briques, et on voulait que la nouvelle tour montre cette culture, parce que ça devait être l'emblème le plus moderne de cette ville, bien entendu. Il y a cette idée d'équilibre dans le mouvement, ou le déséquilibre, si vous voulez, toujours repris dans la danse, qui fait partie de la culture locale. Voici ce que nous avons fait pour ce projet. Nous avons pris un plan. Donc, il y avait la recherche qui se faisait d'une part. Bon, que faire pour trouver un moyen de synthétiser l'identité locale et pour la consacrer dans ce nouveau bâtiment emblématique de CV. D'autre part, il y avait ces recherches d'aspects techniques. On savait qu'il fallait construire une tour de 50 étages pour atteindre la hauteur voulue. Il y avait des bureaux. Et voici ce qu'on a fait. On a pris un plan classique, manuel, d'un tour avec la taille, la surface que nous devions construire. Et on a procédé à cette distorsion et en le faisant de cette façon, avec deux diamants différents, deux losanges, et puis on a répété cela à plusieurs itérations, et cela nous a permis d'aboutir à cette forme, et qui est très intéressante, parce que à partir de tout, selon là où on se trouve, l'expression est différente. Soit ça culmine en pointe, ça culmine avec une forme plus ouverte, avec une forme plus en sablier. Donc, en fonction des perspectives, cela permettrait de s'orienter dans la ville en fonction de l'image qu'on voyait. Et on essayait toujours de vérifier que les plans étaient cohérents avec ce qu'on fait normalement pour les bureaux. Là, la perte d'efficacité ou d'efficience est minime par rapport à un bureau normal. Là, vous voyez, on est en train de monter, si vous voulez, en ascenseur à travers les étages. Et donc, vous voyez que ça reste assez conventionnel à chaque étage, mais on arrive avec une coupe qui ressemble à ceci. Bon, il y a également la tension au niveau de la peau. Donc, ça se fait au niveau de la structure et de la peau. Et ça ne devait pas être une tour vitrée, moderne. On voulait que cela soit quelque chose de mauresque. Donc, nous avons utilisé, ou on avait prévu d'utiliser, des carreaux en losange avec des ouvertures. Donc, ce serait en quelque sorte une tour des pleins, un peu comme la Giralda même. Et donc, on devait avoir une sorte de treillis en céramique ou revêtu de céramique à l'extérieur de la tour. Donc, voici les images de ce qu'aurait été la tour avec le vert et le blanc, qui sont les couleurs de la ville de Séville. Voilà la fin de ma conférence. Bon, revenons à nos quatre typologies. Je ne sais pas si ces projets arrivent à montrer ce qu'on peut faire avec ces typologies, mais on pense qu'il est important d'insister sur la génération de l'identité, le reflet de l'identité locale. Il peut y avoir des processus qui existent sur le plan mondial, mais
Il faut également voir ce qu'on peut faire pour s'engager par rapport au sol, par rapport à l'environnement. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on réussit plus ou moins chaque fois à produire ce qu'on cherche à faire. Donc, de toute façon, on prend des façons classiques de développer des bâtiments commerciaux, privés, et on essaie de, par des distorsions, d'exprimer la communauté autour et des gens qui travaillent, qui vivent dans ces bâtiments. Mais dans tous les cas, je pense qu'il s'agit bien d'indicateurs des problèmes à la fois politiques et environnementaux auxquels on doit faire face dans les quatre catégories, les quatre types d'enveloppes. Donc, je pense que j'ai bien couvert ces typologies. Je n'ai plus rien de prévu pour ce soir. Et si vous avez des questions à poser, je serai content d'essayer d'y répondre.